parler français en fait. Ouais. Et voilà, je travaille sur cette exposition d'Alicia pour janvier 2025 et ouais, je serais ravie d'être en contact avec vous. Oui, on pourra. Bah, en fait, Alicia, mon contact, on d'accord. Sait. Elle m'a envoyé un message tout à l'heure et je lui ai dit que je ne pouvais pas être là. Mais bah, très bien. Et puis, je lui ai dit que c'est important aussi, alors je répète, c'est important aussi d'impliquer des voix africaines dans ce projet. Bon, moi, bon, il se trouve que j'ai connu Gérard, je ne suis plus en France, mais bon, après, je ne sais pas si elle. Je ne demande pas nécessairement à être un. Donc, c'est important en fait que ce type de projet n'exclut pas les voix des communautés en fait qui sont concernées par cette histoire. Ouais. Ça nous semble aussi essentiel. C'est quelque chose qu'on a bien sûr, évidemment. Ouais. Christine, moi j'ai une question. D'après toi, pourquoi Sékou Touré n'a pas réussi à percer en France vraiment? Moi, je pense que c'est un problème institutionnel. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est institutionnel, c'est le fait que les artistes. Enfin, c'est une réalité pour que les artistes africains n'étaient pas considérés de la même manière que les artistes occidentaux. Gérard, il a commencé à une période où il y avait toujours un intérêt, par exemple, pour ce qu'on appelle l'art primitif. Donc, c'était un peu difficile, je pense, pour. En tout cas, pour les critiques. C'est quand j'ai fait mes recherches sur. Sur Gérard, sur les premières expositions qu'il a fait à Paris, en fait, enfin, je suis sûre que tu le sais, Abdou, et aussi c'est dans le livre de Barbara Linton, où il y avait soit un zéro critique, soit une critique négative, et qui a mis Gérard en dépression aussi. J'avais fait des recherches aussi à Sainte-Anne, il a eu un premier incident de dépression, et je pense qu'il y a vraiment un problème institutionnel et c'est aussi quelque chose que. Bah, là, actuellement, en fait, donc moi, je ne me suis pas présentée entièrement. Je suis curatrice indépendante, mais je travaille aussi à Tate Liverpool, donc Tate Musée en Angleterre. Et ce que je vois, c'est qu'il y a encore des gaps dans les collections. Donc, en fait, nous, on doit forcer dans un sens où les institutions qui sont financées par des fonds publics se doivent de représenter en fait la créativité artistique du lieu dans lequel elles sont ancrées. Et donc, en tout cas, moi, dans mon rôle, ce que j'essaie de faire, c'est d'intéresser les institutions à regarder en fait les chapitres de l'histoire de l'art qui sont soit oubliés ou les artistes marginalisés. Et donc, voilà, je pense que c'est. Enfin, bon, il y a des raisons claires pour lesquelles les artistes n'ont aucun sens se représenter dans la collection. J'ai envie de vous poser une autre question. Est-ce que si Gérard Sékou Touré avait atterri en Angleterre, est-ce que vous pensez que cela aurait été différent du fait qu'il se soit installé à Paris? Oui, je pense. Je pense parce qu'il y a un de ses contemporains, notamment Ben Ewonwu, qui était un artiste nigérian. Qui a eu plus de succès en fait que Gérard. Et je pense que les artistes sont aussi des êtres humains. Enfin, en tant que curatrice, je travaille avec beaucoup d'artistes et on sait aussi que le succès d'un artiste, enfin, si un artiste vit des expériences négatives, si une personne expose et a un retour négatif à plusieurs reprises, ça provoque des dépressions, donc ça n'encourage pas non plus, c'est pas favorable à une bonne production et à un état d'esprit positif. Donc je pense que oui, effectivement, à l'époque où. En fait, Gérard est passé par Londres avant d'aller en France. Oui, d'accord. C'était la période où la génération Windrush, donc les Caribéens, sont arrivés en Angleterre, mais. Quelques années après, il y a eu ce qu'on appelle le Caribbean Art Movement, qui est un des premiers mouvements d'art contemporain noir en Angleterre dans les années 60, et qui correspond aussi aux périodes des indépendances. Donc, quand Gérard était impliqué avec la présence africaine, ça aurait créé une dynamique aussi. Ok, merci. C'est bon. Et à merci, Georges. J'ai appris tout récemment par Djaboulou Ndebele que Gérard était très ami avec Ernest Mancoba, qui lui aussi était à Paris. Est-ce qu'il en est résulté quelque chose de cette amitié?
Je crois qu'ils étaient très amis. Ernest était son mentor avant qu'il parte d'Afrique du Sud, mais je pense que quand Ernest, parce que Ernest est venu avant Gérard à Paris. 10 ans. Ensuite, il y a eu la guerre, il a été prisonnier de guerre, il a été marié à Sonia Verloff, oui. Donc il est parti au Danemark. Il n'était pas proche en fait. J'ai pas trouvé de trace en fait. Et même Ernest, il a fait une interview quelques années, je crois, peut-être dans les années 90 avec Hans-Ulrich Obrist. Et il parle, je ne sais plus s'il le mentionne, mais en fait, à Paris, il n'était pas proche. Et je pense que c'était aussi lié à la situation sociale de Gérard. Mais par contre, il y a eu cette exposition qui a été faite, commissariée par Alicia, justement, de son propre goût, Alicia Knop, de Ernest Mancoba, en même temps que l'exposition de Sonia Verloff. Et puis, il ne faut pas oublier, je ne sais pas, Riazon Naidoo, qui est un curateur sud-africain, qui était directeur de la South African National Gallery. Il y a quelques années, a fait cette exposition de 3 artistes sud-africains, dont George Hallett, Peter Clark et Gérard Sekoto, en 2013 à Paris, pendant la saison France-Afrique. Une personne n'a de questions? No more questions? Non. Tu veux rester avec nous pendant que je parle ou tu as autre chose à faire? Non, j'aimerais bien. Mais, enfin, c'est une histoire que tu connais un peu.